Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Feed the Friends avec mon ami Tom. Salut. Salut. Aujourd'hui il va m'aider. Parce que t'es naze. T'as pas le droit de dire ça, mon enfant. Allez viens, on va chez moi. Dans ta super base. Dans ma super base. Que j'ai toujours pas avancé, bien sûr. Parce que tu joues pas bien. Voilà. Alors. Non, il me manquait du sable. Fallait que j'aille chercher du sable, Attends, enfin. tu veux que j'aille te le chercher? Parce Ouais, vas-y. qu'avec mon super jetpack, en 30 secondes, je t'en ai. Oui, vu que monsieur a déjà un jetpack. Tiens, ça se craft Monsieur a comment, en monsieur. fait? Un jetpack. C'est, il faut de Jetpack. l'énergie en fait à la base. Ouais. C'est Dans pas tous les compliqué. cas, il me faut de l'énergie, donc bon, j'en ai pas encore. Turtle. Donc aujourd'hui, on va attaquer le craft de la turtle pour avoir quelques minerais sans utiliser les quarries, même si on sait tous que les quarries c'est mieux. Mais non. Du coup, on va se faire une turtle. Et j'aurai pas assez de coal. Il n'en faut pas trop des masses quoi, c'est juste qu'il faudra que t'en rajoutes après quoi du coal. Ouais. Si ta Ouais. quarry, si ta turtle tombe pas sur un énorme chunk pour se ravitailler, un énorme chunk de charbon pour se ravitailler. Ben, il y a de fortes chances qu'elle tombe sur des. Oh, 18 de sable, ça te va? Ouais. Mais en fallait juste 6, mais c'est pas grave. 18 c'est mieux. Du coup, je récupère du charbon. Wesh. Je te le mets dans le four, le sable. Oui. Non. Oui, mon enfant. Je te fais tout fondre, le sable. Oui. Pas de colle. C'est la merde, t'es nul. Voilà, bon. J'avoue que ma base elle est pas du tout safe en fait. Tiens, je vais la safer un peu. On va À faire l'heure, ça. là-bas, je... Tout à l'heure, là-bas, je me suis fait violer quelque chose de rare. Hein. Quelque chose de rare, tu te fais violer en mode rare, toi? Ça t'intéresse tes Shards of Minium? Nope. T'es sûr? Sûr, prends-les. Merci. C'est le truc le plus utile au monde, mais bon. Ouais, mais moi je vais pas attaquer ça maintenant. C'est pour faire une Minium Stone. En gros, ça te coûte 4 de fer et 1 d'or et tu peux crafter des trucs trop cheatés. Ouais, je sais. Tu peux te faire de l'obsidienne avec deux bûches de bois, quoi. Ouais, donc bon, bah du coup, merde, le con, j'ai miné ma. Avec mon saphir. Ah bah, tu peux en refaire une. Fuck! Et en plus, il va m'en manquer un. Hein. Mais t'as du rubis? Ah oui, j'en ai 5. Ça va. Donc, du coup, on va se crafter tranquillement notre petit. Truc. Où est-ce que tu m'as mis ma stone? Vite. Stone, je t'ai mis dans ton cul. J'ai vu. Tiens, je te mets un peu de colle dans tes chests aussi. Alors, pour se crafter une turtle, c'est la mining hein, qu'il faut. Il va me falloir un redstone. J'ai toujours pas de redstone. Attends, What? Attends. j'en ai. J'ai tout dans mon under pouch. Ton under pouch. J'ai même du Red Alloy Wire. Alors. Tac, non, il va me falloir avant. Florent, regarde, Oui. c'est ça qui manque en vanilla. Attends, je ne peux pas. Alors. De la redstone sur le plafond, c'est pas compliqué à coder, bordel. J'ai un computer. Regarde, Flo. Attends. Un chest, ensuite. C'est vrai que ça changerait tout. C'est juste un peu chi, c'est juste un peu chiant à crafter, mais ça se fait. Un chest ensuite, il me faut. Il va me falloir un chest. Et du fer. C'est Du dur à faire ça. fer. Ouais, c'est dur à faire du fer. J'arrête mes blagues. Exactement.
Donc du coup là j'ai la turtle, donc la turtle, après pour faire une mining turtle on fout une pioche à côté, et là j'ai ma mining turtle en ruby. Allez. C'est plutôt cool. Bah attends, je vais faire une porte, du coup. Ouais, je guesse pas. Voilà, on va faire Voilà une qui est porte. fait. C'est safe à peu près quoi. Je vais même faire des torches. Je t'aurais bien prêté mon chunk loader, mais j'en ai besoin. Ouais, au pire je pourrais m'en crafter un. T'as 2 diams, ça va mettre? Non, pas maintenant. Allez, donc du coup, on va aller là-bas pour notre mining total. Hein? Ça a l'air. Sorry, bro. Et on Ouais, va mais la tu peux appuyer sur la poser. porte? What? J'ai eu Et du on mal va à la l'air. poser, on va la poser. Ça te tente de la poser ici? Bah ouais, pose là où tu veux, mets un coffre derrière et. Un coffre? Je vais chercher de quoi me crafter un coffre. Et du colle aussi, il faut. J'ai ce qu'il faut. Un gros chest ou pas? Un double, fais. Fais-le en iron comme tu veux. Non, pas en iron. Est-ce que toi aussi tu vois la pioche qui est buggée aux côtés de la turtle? Nope. Moi je la vois buggée, je sais pas. Bref. Alors. Le colle, tu l'as mis où? Je l'upgraderai au pire. Le col? Tiens. C'est colle, énorme blague. What? What? Alors, regarde dans la turtle. Alors, attends, Je j'arrive, t'explique comment j'arrive. faire. C'est extrêmement simple. Tu mets ton colle dans le premier slot là qui est entouré. Oui. Jusqu'ici tu me suis. Alors là tu fais refuel, Refuel, oui. all, All. tac, entrée, ça va te marquer ton niveau de fuel. Après tu fais excavate. Attends, on va faire un truc. D'abord tu vas nommer ta turtle pour que dès que tu la pètes, elle garde son fuel. Donc tu fais label set pour voilà, mettre son nom. Tu veux l'appeler comment ta turtle? Bonne question. On va l'appeler Chicken Friends. Chicken, comment ça s'écrit? Comme poulet. Friends. Voilà. Voilà, hop là. C'est le Chicken Friends. Ensuite, tu fais pour creuser, tu fais excavate. Donc Ouais. creuser et le nombre de chiffres que le carré va, le nombre de blocs que le carré va faire. Donc tu vas le faire combien le carré? On va faire de 10 blocs, c'est pas mal. Mince, il y a un E. C'est toi qui l'as mis. Ouais. Donc tu Ce fais de que je 10 voulais blocs, c'est quitter. pas mal. Et là tu fais entrée. De 10 blocs? Ça va te creuser 10 blocs, c'est pas mal, tu le replaceras après. Mais moi, je veux que ça aille aussi en profondeur. Mais non, mais ça va creuser pendant 10 blocs, un carré de 10 blocs jusqu'au fond. Ah, ça, c'est cool. Et ça va Et là, toujours, en fait, me ramener ma truc ici. ouais, quand c'est quand son inventaire qui a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, c'est pas vrai. Il mine du charbon. Bref, quand son inventaire sera plein, ça viendra se vider dans ton chest. D'accord. Bah, c'est plutôt pas mal ce petit truc. Ça coûte pas grand chose et c'est plus trop pratique au début. Bah ouais, ce que je vois, ça coûte pas du tout grand Et chose même. ça mine pas si mal que ça. Ça va plutôt vite pour ce que ça coûte. Donc du coup voilà, posé. Bah même ça va. Enfin, c'est. Tu peux rester à FK là et puis. Faut faire attention de pas crasher ou pas être déconnecté. Le mieux c'est de mettre un chunk loader. Mais le mien je vais en avoir besoin dans le nether. Non, mais attends, je vais voir comment ça se craft. Ouais, ben non, j'ai pas 2 diamants. Du coup, ben, je vais attendre d'avoir ces 2 diamants. Et puis, après, on pourra s'en crafter un. Mon rubis et ça se met là, bien sûr. Il me reste 13 colle. Ben, en attendant, moi, je pense que je vais tranquillement aménager un peu ici, parce que du coup ici on n'a pas encore aménagé. J'aimerais bien un peu aménager, faire un truc pour remonter tranquillement, un truc pour descendre tranquillement aussi. Donc du coup je pense que je vais attaquer ça et on se retrouve tout de suite après. Donc allez, à tout de suite les amis. What, c'est Bagdad ici.
Fort. Donc, du coup, nous revoilà tranquillement dans notre petite base de FitzFriends qui a pas mal changé. Et du coup, là, vous venez de pouvoir le voir, je peux enfin voler. Donc, du coup, ce qui nous a permis de faire pas mal de choses. Donc, du coup, je me suis crafté ceci, donc voilà, grâce aux ressources de ma turtle. Et j'ai fait ceci aussi parce que ça coûte pas trop cher. Bon là, il met un peu de temps à réagir. Je sais pas encore pourquoi. Faudrait que je voie avec Tom pourquoi. Parce que celui à Tom, il est beaucoup plus rapide et lui, ça pousse d'un coup. Donc ça, je sais pas encore pourquoi. Faudrait que je lui demande. Donc je vais faire ça dans les jours à venir, hein, vous inquiétez pas pour le prochain épisode, ça devrait être fait. Je me suis crafté un scoop aussi, donc. Voilà, des copper cables, on va les poser là. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai maintenant en ressources, hein. Donc on va juste enlever le focus sur le corps. Voilà, donc voilà toutes les ressources que j'ai, donc c'est vraiment pas trop mal. Franchement j'en ai... Ouais, redstone, 40, bon, j'ai pas tout en masse, mais j'en ai pas mal. Donc du coup là, ici, on récolte le rubber. Bon, tu décides quand tu es toi. Pourquoi là, il veut plus fonctionner. Encore un coup. Alors, le planteur, il fonctionne bien. Tac. Tac. Est-ce que c'est bien relié? Bah oui, c'est bien relié. Bah alors, pourquoi il n'envoie pas de l'énergie à notre pépère? Ouais. C'est quand même assez bizarre qu'il n'y ait pas d'énergie là-dedans. Ouais, je trouve ça bizarre. Et donc on s'amusait avec un certain bloc. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Donc voilà. On peut passer à travers ce bloc. Rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. Tac. Voilà. Donc du coup, j'ai bien aimé ce bloc, il est vraiment très 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 intéressant. Je vais vous le montrer. C'est le Ghost. What? Non. Allez, reviens. Ghost. Excusez-moi. Et c'est le Ghost Block. Donc voilà, il ressemble à ça, le Ghost Block. Il se crafte comme ceci, donc avec des camouflages past. Et au milieu, je crois que c'est rien. Non, rien. Et des camouflages past, ils se font avec des forest rock tout. Ouais, en gros, avec du colorant rouge, noir et jaune et vert. Et ou de la dirt ou du sand, ça le fait. Après on a encore quoi comme autre solution? Ouais, les laines aussi. Mais après bon, c'est pas le top. Mais ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est assez bizarre. Vraiment. On va remettre un copper cable parce que depuis que j'ai enlevé le copper cable qui alimente là. La bad box, j'ai l'impression que c'est en train de tout me faire planter. Et donc du coup là ça devrait passer. Alors est-ce que elle va s'activer? Et après on va aller replacer une turtle. Est-ce qu'elle a l'air décidée à marcher? Tac, on va reposer une torche. Parce que j'ai fait une bêtise avec une turtle juste avant. Donc du coup. On va aller en replacer une un peu plus loin. Bon. Mon ami. C'est pas que. Ouais, là je comprends pas trop pourquoi il veut pas le faire. Parce que d'habitude il.
Il le fait, mais assez rapidement en plus. Et là, ça, le plus bizarre, c'est que là, il veut rien faire. Bon, j'ai encore ça à remettre. En bas, sur le noir, c'est le rubber qui sort. Donc, du coup, on va remettre le rubber. Au moins, ce sera fait. Par contre, ouais, j'ai du mal à comprendre là pourquoi ça ne... Tiens. Bon, je sais que... Ok. Donc du coup, on va le mettre en alimentation directe. Donc on va essayer de régler ce problème avec mon harvester et mon planteur parce que là c'est quand même assez bizarre. Ouais, je sais, je vous ai pas encore expliqué le système. Bon, je vais pas tarder à vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Je le répare avant. Et après, je vous explique ça pendant que j'ai des frises. L'ordi tourne depuis pas mal de temps. Donc je pense que c'est plutôt normal. Ouais, non, c'est quand même assez bizarre parce que là, du coup... Est-ce qu'il me reste de l'énergie là-bas? Oui. Oui, aussi ici, j'ai remplacé par des electrical furnace. Bon, le générateur, on va le poser là pour l'instant. Ouais, assez bizarre. J'aurais dû... Comment je peux faire pour que... Pour la relancer parce que là du coup c'est problématique hein, clairement. C'est même très problématique parce que du coup on a plus de système pour avoir du rubber. Bon bah du coup je vais revoir ça hein. Mais j'ai ça aussi à vous montrer, donc on s'est fait des passages comme ceci pour accéder plus rapidement à nos mondes. Donc on va aller chez Tom. Je vais vous montrer la base à Tom. Donc la base à Tom, c'est un peu l'overkill qu'il a fait. Donc en gros, vous voyez que lui, ah non, lui ça pousse pas instantanément non plus. C'est quoi là-bas dans le baril? Donc il n'y a rien. Lui il a rajouté un fertiliseur. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, vous pourriez me le dire s'il vous plaît. Ici il a mis un item router. Donc un item router, c'est on a fait pratiquement le même système. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Juste ici, hein. Fait, j'ai cassé quelque chose ou pas? Non. Bon, ici on a le planteur. Donc le planteur, il va permettre de planter toutes ces graines-là. Hein, donc voilà. Et il en faut minimum 9 en fait pour que la... Enfin pas minimum, mais pour que la machine soit à son maximum d'automatisation. Faut que ça soit 9. Et vous voyez, moi la différence c'est que le harvester c'est pour casser les arbres. Moi il n'y a pas cette barre de fuel pleine. Donc c'est ça le problème là, que j'ai. Et je ne sais pas pourquoi, parce que du coup lui il a un chunk loading. Ouais, je sais qu'il est pas à moi. Il a aussi les undertanks déjà. Donc vous voyez en haut à droite c'est marqué undertank. Ici c'est des géothermales expansives. Non, des géothermales générateurs. Donc c'est pour de la lave, générer de la lave. Donc c'est pas trop mal. Ici il a déjà un système ME Applied Energistic. Et ça va lui changer la vie, vous voyez. Ouais, voilà. Vous voyez, lui, ça le casse directement. Et ça, le problème, c'est que moi, ça va pas aussi vite que ça. Et je comprends vraiment pas pourquoi. Ici, il a quoi? Il a le compresseur.
Ici, il a quoi? Le Owl Furnace. Je ne sais pas à quoi il sert. Et l'Electrical Furnace. Bon, ça, je sais à quoi il sert. Et lui, c'est Ghost Block. Il les a. Générateur. Générateur. Il les a utilisés plutôt quand même intelligemment. Parce que je vais vous montrer comment il les a utilisés. Et voilà. Donc, du coup, là, on peut accéder à tous ces trucs, toutes ces ressources, etc. On peut accéder vraiment à tout. Et c'est plutôt intelligent. Et ce système de redstone, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Ici, il a commencé à travailler avec l'eau. Et les magmatiques. C'est des magmatic engines, ça? Je vois pas. Qui a les FPS, bon, c'est pas grave, hein. Mais ça aurait été intéressant de voir. Et puis voilà, donc du coup, bah je pense que c'est tout pour cet épisode. Cet épisode aura quand même fait pas mal de temps pour moi, hein. Donc voilà. Donc du coup moi les amis je vais vous dire à la prochaine, prenez soin de vous et allez ciao, bye bye les amis. Tiens on va passer dans le ghost block. Coucou. Bon je vais vous laisser, allez ciao, bye bye.